N'est pas seulement une adoration, mais aussi une supplication. Au oui et à l'amen, c'est lui qui promet et qui réalise. Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, amina sebo.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Après, il faut la chaîne. Téléphone, je vous parle. Moi, il y a un été sur le côté loin, mais il vient de la salle. La date est blanche dans la Thank you.
Thank you.
Thank you.
Akuma. Peut-être que ça s'appelle. Oui. Thank you.
Ce fleuve il m'a considéré comme Thank you.
unis. Je suis venu nous rester unis. Maman, je suis vraiment mal à la fois de Dieu à personne. Yeah.
valise. Non, aujourd'hui, tu serais pas éteint. Mais quand j'ai même l'impolitesse de la mort, promenade sans retour pour les pêcheurs. Barwa bakoy kova na peti na bango, bazali kolia ape komela. Liwa ekoti ezunoko ekenaye, ezongisiete. O liwa, ebi bakondite, ebi semame. O liwa, eko tatola, ma kita, suka ya bomoi na motwe. Eko banzaka, basekele nyonsoye, suka ya bomoi na motwe, yango bakumisa kate, soki moto nana kupite, poto yebite, basekele nyonsoye kobima, yango balo bakate, soki moto nana kupite, poto yebite, basekele nyonsoye kobima. Oh, liwa, eyebi mbongote, eyebi babo kwete, eyebi babalanite. Ezala ki na voix moko très puissant sur la terre. Azala ki na mwana na yalinga ki mingi. Kombo na ezaki re soleil. Alika ki ete soki akufi. Kipale mwana oya ingela na bokwenti na ye. Mokolo moko balali pe balamuki. Mwana oya kufi. Oliwa ebi semabe. Toki liwa eba kimpongwe. Seba wapa kufakate. Baba riche bakufakate o. Neba kondi bakufakate. Soki liwa eba kimpongwe. Neba pananga kufakite. Mama nanga ya kufakite o. Kite aidi na bala kufa kite o ndeba teiba
bandeko oni waye eye bi e lakate eye bi conseiller te o eye bi se mabe 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 parce que les salaires du péché, c'est la mort. Oh, ne konangai, kanisa, pa oyo nyoso pa kufaye. Ole ki bango na mbongo te, ole ki bango na kolata te o. Ole ki bango na kitoko te, ole ki bango na koyemba te o. Ezali sema wana tata, sape o. Sokiri wa eba kimi kumba bandeko Oyo papa bana chike lingai Le ya kupakite Le papa na bana kupakite Ambula babola Onanda kona mobolai Sekolilai Na famille Oriche na mobolai Mobola lobi soloe Nani akoyo kaye Riche ya loba Bako beta mabokwe Ata lobi lokuta Bakundi maye Wete mbongo Oge luzolo na chambu Zambi peni goba yaya Eta zolo sonu eno kweto Zambi peni bo kazololo What?
Come on, 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 come on
Thank you.
Ah, yeah, yeah.
Yeah,
Avec émotion, en qualité de président de Région 25, je prends la parole ce jour pour m'acquitter d'un devoir amical, rendre hommage à Évariste Kodia, immédiate vice-président de région, qui nous a quittés à un moment où les lions de la région 25 avaient encore grand besoin de lui. L'ami Évariste Kodia fut lion avant son intronisation, car il a participé à plusieurs conventions, aux activités qualitatives, caritatives, et ce n'est qu'avec grand plaisir qu'il a vu intronisé en 2012 dans le club Brazzaville doyen, où il n'a cessé de briller à tous les postes de responsabilité qui lui furent confiés, notamment 2012-2013, trésorier adjoint du club Brazzaville doyen, 2013-2014, vice-président du club Brazzaville doyen, 2014-2015,
président du club Brazzaville Doyen 2015-2016, président de la commission effectif 2016-2018, membre des différentes commissions, spécialement des finances 2018-2019, président de la zone 252. 2019-2020, président de région 25. De même, en tant que Lyon, il a participé aux conventions congrès du district multiple 403B. En 2013, il est à la troisième convention congrès de Brazzaville. En 2014, il est à la 33e convention congrès d'Abidjan. En 2015, il participe au Pôle Africa en qualité de trésorier. Il a également participé aux conventions internationales suivantes. En 2013, convention internationale d'Hambourg, ainsi qu'à la convention internationale de Milan, en Italie. Il a suivi avec grand intérêt différentes formations lors des conventions et congrès. Enfin, comme récompense, Evariste Kodia avait obtenu la médaille de président 100%. Malgré ce parcours figurant et digne d'éloge, l'ami Evariste Kodia, au cadre de la banque, se présentait devant tous les lions et les hauts avec une humilité déconcertante, ne faisant aucune différence entre amis, participant activement aux œuvres organisées par son club, par la zone et par la région. Il était ponctuel et humble. Nous gardons de lui le souvenir d'un grand lion, comme on aimait en avoir plus souvent. Merci, ami Evariste, pour ton engagement. Transmets à tous ceux qui t'ont précédé l'expression de notre amitié profonde. Depuis hier, j'ajoute, chers amis, que notre PDI a fait de lui un compagnon de Melvin Job. J'ai retenu personnellement une phrase d'Evariste. Il me disait, c'était une phrase implacable. Il me disait, Isidore, je t'en prie, fais-le pour moi. Tu as raison, mais fais-le pour moi. Ça m'est resté dans l'esprit. Et ce que j'ai fait en tant que président de région 25, c'est dû à lui qui est venu me convaincre à la maison pour que j'accepte et repose en paix, cher ami Evariste, tes amis de la région 25. Thank you.
Nous avons assisté à la cérémonie des hommages et maintenant nous voulons débuter avec la prière. Notre frère et papa, papa Évariste, a aussi été croyant et chrétien de l'Église catholique. Il a également appartenu à ce groupe que vous voyez, ces hommes et ces femmes qui sont en tenue. C'est la supplique. Et donc à présent, la supplique va aussi rendre hommage à leurs frères en chantant leur hymne où ils prendront trois « Je vous salue Marie » et ils diront la prière pour la persévérance. Viendra la messe. Si maman, ouyaya yo toko senge, koe bate to zali banabayo, o zalana ito teko. Maman Maria, merci maman. Chapele na gaite, eva ni bonda na pesirino, ya kovete visita viso, na pasito na esengo. Mama Maria, merci mama. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Thank you.
dans la miséricorde et le refuge assuré des pécheurs. Et si par toi le succès s'accorde, notre pardon payé par ses douleurs. Nous allons commencer avec la messe et nous allons vous prier de bien vouloir vous lever pour le début de notre célébration eucharistique. Chant d'entrée. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Papa Évariste était chrétien, il était baptisé. Il a donc confessé Jésus-Christ dans sa vie. Nous revêtons des signes, et ce sont ces signes-là que nous allons renouer. Seigneur, regarde avec miséricorde Évariste, notre frère. Il a porté ce vêtement, signe de vie et de joie dans ton amitié. Qu'il se présente devant toi avec le vêtement de fête de tes amis. Amen. Amen. Le deuxième signe, c'est la lumière. Nous ranimons cette flamme près de Évariste, cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière de notre obscurité. Qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Amen. Amen. Le troisième signe, c'est la croix. Cette croix que nous avons apportée, nous la déposons maintenant. Seigneur Jésus, rappelle-toi. Tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour Évariste et pour chacun et chacune de nous. Amen. Amen. Seigneur, toi seul peux nous rendre la confiance quand il nous semble que la mort est victorieuse.
Augmente aujourd'hui notre foi en ton Fils Jésus ressuscité des morts. Affermis notre espérance de la résurrection de Évariste, ton serviteur et notre frère. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Chapitre 14, versets 7 à 12. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour le devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Alors toi, mon frère, pourquoi juger ton frère? Toi, pourquoi mépriser ton frère? Tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, toute créature tombera à genoux devant moi. Nous allons à présent nous lever pour écouter l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Saint Luc chapitre 12, versets 35 à 44. Jésus disait à ses disciples, restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien. Si le maître de maison connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs en Christ. Nous sommes ici rassemblés pour rendre hommage, dire un dernier adieu à notre frère, Papa Évariste. Papa Évariste que nous avons tous connu. Ou encore nous avons connu l'un des enfants et tous ensemble, parents, amis, connaissances, les différents groupements
où Papa Évariste a été, eh bien, tous nous sommes ici pour exprimer notre marque d'affection, notre amour à son endroit. Aujourd'hui, plus que jamais et en ces heures, nous témoignons que vraiment nous le portions dans nos cœurs et nous continuons de le porter, nous continuons de l'aimer et c'est le motif de notre rassemblement ici. C'est en réalité comme un principe moteur de tous les hommes rassemblés au nom de cet amour. Papa, dans sa vie, il a fait tant soit peu ce qu'il pouvait. Au milieu de nous, dans nos associations, dans nos mouvements, aujourd'hui, il s'en va. Tous et chacun, nous l'avons côtoyé et nous pouvons dire en quelques mots ce qu'il a été. Avec l'oraison qui a été prononcée ici, nous avons écouté ce qu'il a été. Et lorsque nous avons recueilli quelques témoignages sur la vie de Papa Évariste, eh bien, même en paroisse, il s'est montré un homme disponible, un homme engagé. Qui lui était demandé. Voilà les quelques signes qui nous sont présentés de sa vie. Et nous, ceux qui ont été plus proches de lui, peuvent nous dire davantage sur lui. Et c'est tout ceci qui nous rassemble ici. Chers frères et sœurs, notre vie, nous la recevons de Dieu. Et la première lecture que nous avons écoutée ici, Saint Paul nous instruit qu'aucun d'entre nous ne vit pour soi-même. Aucun d'entre nous aussi ne meurt pour soi-même. Puis, pour que nous mourons, eh bien, nous appartenons donc dans la main de Dieu. Ceci dit, chacun et chacune de nous doit constamment se poser cette question. C'est ma vie, j'essaie tant soit peu de me conformer à la volonté de Dieu qui m'a prêté cette vie, parce que la reprendre. Et lorsque ma vie sera remise à Dieu, dans quel état je serai? Dit Saint Paul, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu selon ce que nous aurons fait. Or, si nous comprenons que notre vie, nous la tenons de Dieu, eh bien, il y a un commandement, un principe qui va tous nous faire exister, qui va nous mouvoir. C'est le principe de l'amour. Il me jugera en tant qu'un juge rempli d'amour. L'ampe de notre vie, de notre foi, a été allumée le jour de notre baptême, ou lorsque nous sommes devenus croyants et croyants. Le Christ demeure en nous et lui doit être le principe de notre vie, car c'est de lui que nous recevons l'être, le mouvement et la vie. Il tenait sa vie de Dieu, voilà pourquoi il s'est consacré à lui. Il s'est fait baptiser jusqu'à se dire que je dois être un homme engagé dans le Seigneur, dans le service de Dieu. Et l'humilité l'a caractérisé au sein de ce mouvement de la supplique. Quand on pouvait demander à Papa Évariste, lors du nettoyage de notre église, « Papa, allons soulever les bancs », il le faisait volontiers, comme pour nous dire qu'il avait compris ce que c'est que le service, il avait compris ce que c'est que l'humilité. Et c'est cela. Nous, Évariste, nonobstant ces péchés, peut devenir pour nous un modèle. Nous pouvons retenir de lui quelque chose qui peut nous conduire sur ce chemin. Que Papa Évariste, après ce parcours qu'il a fait, il puisse trouver grâce dans la maison du Père. Et nous qui sommes encore en marche, quand la mort viendra, nous ne le savons pas. Même s'il y a une certitude que... Tenons-nous prêts tout de même pour recevoir
notre Seigneur Jésus qui vient nous appeler chaque jour. Et aujourd'hui, il nous lance cet appel de tenir nos lampes allumées, de faire la volonté de Dieu chaque jour de notre vie. Que le Seigneur lui-même nous aide, que l'Esprit Saint nous fortifie, qu'il nous fasse comprendre ce qu'est réellement la vie en Jésus-Christ et vivons-la réellement, sérieusement, en toute vérité. Et Dieu lui-même nous donnera la couronne de gloire dans son royaume. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant qui a ressuscité des morts. Afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne soient jamais abandonnés de Dieu, ensemble prions. En ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne fraternelle et plus juste, ensemble prions. En ton royaume, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Prions encore le Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts, surtout à Évariste, notre frère, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Thank you.
lever. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur Évariste, nous faisons appel à ton amour. Évariste a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. Avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et son fin nous proclamons. Source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Au repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Pour nous les hommes, que la mort.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Anatole, bienvenue son coadjuteur et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi, souviens-toi de Évariste Nkodia, notre frère, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les suppliants défunts, des membres de la famille de papa, des varistes qui nous ont précédés, les âmes du purgatoire et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur la famille de papa Évariste, sur les enfants, les amis, les connaissances, sur la supplique et sur chacun de nous ici rassemblés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons tous dire la prière des enfants de Dieu, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos insuffisances, notre infidélité, mais la foi de ton Église. Pour que ta paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. La paix du Christ. Amen. Au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent la vie éternelle. Amen. La paix du Christ. Amen. Thank you.
Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre frère Évariste de parvenir à la table préparée dans ta maison. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. S'il y a encore des gerbes de fleurs qui n'ont pas été déposées, on peut le faire maintenant. Thank you.
Cercueil, que ce soit assez libre parce que je vais arriver jusque là. Avant de nous séparer, nous allons dire un dernier adieu à notre frère Évariste. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec papa Évariste, à ce qu'il est pour nous et à ce qu'il est maintenant pour Dieu. Recueillons-nous et prions par ce chant. Cette fois, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur, Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère Évariste. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, ni maladie, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Alors la tombe est là à côté, nous allons la bénir sur place. Jusqu'au paradis, que les anges te conduisent, à ton arrivée, que les martyrs te reçoivent. Qu'ils t'introduisent dans la cité du ciel. Le cortège des anges viendra t'accueillir, et comme Lazare qui mendiait à la porte du festin, tu entreras dans l'éternel repos. Dans l'espérance de la résurrection, que notre frère repose dans la paix. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez, soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons recherchée. Nous sommes, disons, à la fin de la messe, il reste le renvoi. Oui, nous allons acheminer Papa Évariste jusqu'à sa dernière demeure,
Et arrivé là, nous allons bénir le caveau, puis nous mettrons le cercueil. Après la bénédiction, je me mettrai devant là-bas avec de l'eau et nous prendrons un échantillon. La famille biologique, Lions Club, la supplique, un échantillon de 2-3 personnes par groupe. Pour être avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous nous allons, dans le respect, soulever le cercueil pour avancer au cimetière là, Milba. Mais qui sera pour toujours celui qui a été. Je lis cette oraison funèbre au nom de mon père, M. Senga Vijay Innocent Roger, qui n'est pas parmi nous. Voici ces mots. On l'appelait affectueusement papy. Tu es terre, tu retourneras à la terre, aurait-il l'autre. Cet autre au nom duquel chaque dimanche tu aimais te prosterner devant sa croix. Mon frère papy, cette terre sur laquelle nous marchions ensemble depuis 1972 a été ni toi, ni ta complexion physique, ni ton esprit. Tu as tout simplement été toi-même, fait de chair, d'os et de sang. Doué d'un de ces esprits que la nature réserve à une infime partie de ces créatures, en gage de la pérennité de la vie humaine sur terre. Mon frère papy, aujourd'hui alors que ton corps sera mis en terre et que la chape de l'oubli te couvrira à jamais pour les autres, tu resteras pour moi vivant dans mon esprit, comme je garde vivante ma chère grand-mère Yann Sanga, que tu as bien connue par moi. Tu sais mon frère, toi et moi aurions été tout le contraire, l'un et l'autre un plus et un moins, qui a engendré un parfait tandem naturel. Parce que nous sommes nés en amitié d'un pourri commun, l'adversité qui aurait pu faire qu'on se regarde en chien de faïence. Nous faisions nos premiers pas à l'université de Brazzaville, toi en sciences économiques et moi en droit. J'étais de Poto-Poto, toi de Bakongo, tu avais une moto Yamaha, j'avais un vélo Solex, tu étais barbu, je ne l'étais pas. Nous nous sommes connus d'abord au croisement de la rue Mapochipoko, aux heures du soir, chacun à son tour, allait compter une grosse bien mâle et une femelle bien en jambes. Nous ne nous connaissions alors que par ces montagnes de soupçons, dans lesquelles notre imaginaire enfonçait nos esprits couverts et bien sur les épaules de leur complexion physique. Nous nous sommes ainsi connus et nous avons entretenu cette relation sur des contraintes sans que l'orage ne nous fréquente en volée oratoire, nous éloigne l'un de l'autre. Bien au contraire, il nous a plus que rapprochés. 4 ans plus tard, avec nos licences en poche, nous ne recevions plus que de hautes études en France. Tu
était en bonne position, 5e ou 6e position de cette promotion 76 en sciences économiques. Et j'étais major de ma promotion en droit public et sciences politiques. Et pour cela, les premières places de la première vague des étudiants orientés en France nous revenaient prioritairement. Au matin du 19 septembre 1976, alors que je traînais à pied ma valise en carton du plateau des 15 ans à l'aéroport Maillot, par ces montagnes de soupçons, dans lequel notre imaginaire en français nos esprits divers, et bien sur les épaules de leur complexion physique. Nous nous sommes assez connus et nous avons entretenu cette relation sur des contraintes sans que l'orage ne nous fréquente en volée oratoire, nous éloigne l'un de l'autre. Bien au contraire, il nous a plus que rapprochés. 4 ans plus tard, avec nos licences en poche, nous ne reviens plus que de hautes études en France. J'ai été en bonne position, 5e ou 6e position de cette promotion 76 en sciences économiques. Et j'étais major de ma promotion en droit public et sciences politiques. Et pour cela, les premières places de la première vague des étudiants orientés en France nous revenaient prioritairement. Au matin du 19 septembre 1976, alors que je traînais à pied ma valise en carton du plateau des 15 ans à l'aéroport Mayamaya, toi tu étais venu en taxi de Bakongo, entouré des tiens, mères, frères et sœurs. C'est à 12 heures que nous avons pris le vol buté. Celui qui a été. Je lis cette oraison funèbre au nom de mon père, M. Senga Vijay Innocent Roger, qui n'est pas parmi nous. Voici ses mots. On l'appelait affectueusement papy. Tu es terre, tu retourneras à la terre, aurait dit l'autre. Cet autre au nom duquel chaque dimanche tu aimais te prosterner devant sa croix. Mon frère papy, cette terre sur laquelle nous marchions ensemble depuis 1972 a été ni toi, ni ta complexion physique, ni ton esprit. Tu as tout simplement été toi-même, fait de chair, d'os et de sang. Doué d'un de ces esprits que la nature réserve à une infime partie de ces créatures, en gage de la pérennité de la vie humaine sur terre. Mon frère papy, aujourd'hui, alors que ton corps sera mis en terre et que la chape de l'oubli te couvrira à jamais pour les autres, tu resteras pour moi vivant dans mon esprit, comme je garde vivante ma chère grand-mère Yansanga, que tu as bien connue par moi. Tu sais, mon frère, toi et moi aurions été tout le contraire, l'un et l'autre, un plus et un moins, qui a engendré un parfait tandem naturel. Parce que nous sommes nés dans le budget d'un commun, on se regarde en chien de faïence. Nous faisions nos premiers pas à l'université de Brazzaville, toi en sciences économiques et moi en droit. J'étais de Poto-Poto, toi de Bakongo, tu avais une moto Yamaha, j'avais un vélo Solex, tu étais barbu, je ne l'étais pas. Nous nous sommes connus d'abord au croisement de la rue Makoti-Poko, aux heures du soir, chacun à son tour, allait compter une grosse bien mal et une femelle bien en jambe. Nous ne nous connaissions alors que par ces montagnes de soupçons, dans lequel notre imaginaire enfonçait nos esprits divers, et bien sur les épaules de leur complexion physique. Nous nous sommes assez connus et nous avons entretenu cette relation sur des contraintes, sans que l'orage ne nous fréquente en volée oratoire, nous éloigne l'un de l'autre. Bien au contraire, il nous a plus que rapprochés. 4 ans plus tard, avec nos licences en poche, nous ne revenions plus que de hautes études en France. J'ai été en bonne position, 5e ou 6e position de cette promotion 76 en sciences économiques. Et j'étais major de ma promotion en droit public et sciences politiques. Et pour cela, les premières places de la première vague des étudiants orientés en France nous revenaient prioritairement. Au matin du 19 septembre 1976, alors que je traînais à pied ma valise en carton du plateau des 15 ans à l'aéroport Mayamaya, toi tu étais venu en taxi de Bakongo, entouré des tiens, mères, frères et sœurs. C'est à 12 heures que nous avons pris le vol buté. France n'avait daigné faire le déplacement pour venir me prendre à Roissy.
Mais toi, tu m'as rassuré qu'il n'y avait pas de quoi s'en faire, que ton ami savait que nous serions deux. Ainsi, nous sommes allés à Montmagny, chez Papa Jacques, qui nous avait chaleureusement accueillis à Roissy. C'est donc ensemble que nous avons découvert, non sans étonnement, qu'à Paris, il y avait aussi de l'herbe sauvage. Nous étions bien heureux de nous y trouver et nous avions hâte de prendre nos quartiers à l'université Panthéon pour moi et l'université Assas Paris 2 pour toi. Mais dès le deuxième jour, alors que nos parents nous avaient encouragés à connaître Paris par nous-mêmes, nous nous sommes heurtés aux graffitis moraux dans les couloirs du métro à la station République des graffitis qui ont fortement sonné dans nos esprits. À l'image de la vision de Caen, des écrits qui nous ont désarçonnés, comme s'ils étaient là rien que pour nous, il était écrit « Sale nègre, rentre chez toi ». Au cinquième jour, alors qu'on entonnait l'air de Célija, chanson de la série 20e anniversaire de Franco, il nous est traversé l'idée de rentrer au pays. Heureusement qu'en attendant le train, Papa Jacques, qui était avec nous, nous rabattait les oreilles du contraire. Ainsi, nous sommes mis au pas de nos études jusqu'à obtenir chacun dans sa filière le parchemin requis pour une solide socialisation dans la vie active. Nous avons finalement eu un partage de bons moments qui ont transformé nos peines en joie. Nos contraires s'étaient de plus en plus mis en plateau. Toi, tu étais marié, moi j'étais célibataire. Mais que de transport affectif avions-nous l'un pour l'autre? À Orléans, où j'avais fait mon insertion estudiantine, tu étais toujours là. Et nombreux pensaient que tu y étais inscrit. À Stein, en région parisienne, où tu vivais une merveilleuse vie de couple, j'étais également là, jusqu'à organiser des fêtes à trois autour de bonnes bières, telles que nous les aimions. Je suis rentré au pays avant toi, mais déjà dans mon milieu, tu savais, tu avais une vogue sans pareil. Lorsque 2 ans plus tard, nous avons reçu aux Champs-Élysées celle qui était Mama Bobby, qui va devenir mon épouse actuelle, et moi-même, alors que tu travaillais à la Banque française du commerce extérieur, les formalités d'usage de présentation auraient été vaines s'il était en même temps vain de vous découvrir le physique entre vous. Ma Bobby et toi, vous vous voyez pour la première fois. C'est dans ce transport affectif que nous avons continué à nous installer quand tu as décidé de rentrer au Congo. J'étais inspecteur du Trésor, tu étais directeur de la banque à UCB. Tu habitais à Bakongo, d'où tu t'es résolu à partir pour me rejoindre à Mbono, où depuis des lustres j'avais pris mes quartiers. Mon frère Papy, nous avons eu une fraternité sans pareil. Jamais nous ne nous sommes élevés l'un contre l'autre, mais nous nous sommes taillés des liens sûrs pour nous élever plus haut que jamais dans notre culture générale par des échanges toujours houleux, mais toujours fructueux, qui ne privaient point des moqueries amicales. En bien de matière, nous nous sommes donné des assises de champions, non seulement en savoir et en connaissance, mais aussi en partage, en solidarité et en sagesse. Mon frère Papy, je me pose mille et une questions sur ton silence, alors que tu souffrais sur ton lit d'hôpital. Pourquoi diable, ni toi, ni ceux qui étaient avec toi, personne n'a daigné me faire signe pour continuer avec notre partage fraternel. Quand je m'étais retrouvé dans le baba à suite de cet accident qui m'a brisé le cotille droit, c'est toi qui m'as sorti de la salle commune à l'hôpital militaire de Brazzaville pour me loger dans une salle individuelle et tu en avais payé la caution. Pourquoi, mon frère, as-tu voulu me cacher ta face au moment même où tu as eu, j'en suis sûr, besoin que ma main te prenne et tente de te tirer du pétrin? Pourquoi, mon frère, as-tu voulu partir sans me dire au revoir? Pourquoi m'as-tu fui? As-tu voulu perdre la vie loin de mes yeux pour me voir perdre la voix loin de toi? Quand j'étais sorti de ma dernière hospitalisation à l'unité AVC du CHU de Brazzaville et que je pleurais de joie de te retrouver, toi, mon alter ego, mais aussi mon épouse et mes enfants, tu ne cessais de me dire que je pleurais trop. Mes pleurs, en réalité, de cet instant précis, était l'expression d'un manque de mots pour te remercier. Remercier mon épouse et mes enfants pour l'assistance et les soins sous lesquels je m'étais retrouvé. Pourquoi, mon frère, n'as-tu pas voulu que nous t'entourions des soins à la hauteur de notre affection partagée? Mon frère, je ne vais pas t'accabler indéfiniment de questions. Tu as voulu sûrement ne point tenir le bel apparent de nos merveilleux souvenirs et que cela soit ainsi.
À présent que ton être est dans les airs et que ton corps rejoint la déchetterie commune de l'humanité, il ne me reste plus qu'à te dire bon vent. Va, mon frère, sur ce chemin du silence que tu as voulu emprunter. Va, mon frère, et que tu trouves sur ton chemin celui que ton identité qui te conduira vers l'Égypte de l'immortalité et qui te retournera la face vers la terre des hommes pour qu'un jour tu aspires à reprendre de la chair, du sang et de l'os et que tu renaisses à la vie. Adieu mon frère de toujours, mon frère à jamais. Nous allons procéder à la levée du cercueil pour le caveau. Thank you.
Merci à ma caboune, ça la pour la vie. Papi, nous avons Adieu. C'était le nez des garçons et c'était le nez des filles. Yaya, si je t'avais fait du mal, pardonne-moi. Et si tu m'avais fait du mal, je te pardonne aujourd'hui. Tu lui laisses au nom de Seth, mais jamais ne se sent pas bien. Avec une fille et ses deux enfants. Yaya, va en paix, Yaya. Je te pardonne, je te le pardonne. Tu sais toi-même de quoi il s'agit. Yaya, pardonne-moi. Tu as tout fait pour que je fasse des grandes études, je l'ai fait. Et tu m'as chargé à ce que je puisse, ma pédagogie puisse servir à l'ensemble de la famille Mkoudia. J'ai reçu, tu m'as envoyé Laetitia à l'âge de 10 ans et aujourd'hui c'est devenu une très grande fille. Donc je me remercie pour tout. Merci, grand frère. Merci. Y'a papi, c'est moi, vieux, je n'ai. Mais tu sais que j'étais ta mère. C'était malade, tu m'as appelé. On est resté juste 10 minutes, tu es parti. Y'a papi, j'ai pas grand-chose à te dire. J'ai laissé un conflit, y'a papi. Je suis rentré dans l'association, maman. Y'a papi, la joué à l'appel de Dieu. Mon amour de frère, oh, y'a ma vie. Et enfin, il n'est pas là, il n'a pas pu supporter. Y'a jamais non plus. Parti filateur, y'a ma vie. Y'a ma vie. Et ton beau-frère qui me parle aussi. Mon papy, c'est un beau frère. C'est comme si tu le savais, tu savais le quitter. En rentrant du boulot, quand tu étais hospitalisé, tu parlais tous les jours avec ta petite soeur qui te disait que c'était devenu ta mère. Je rentre du boulot, mon épouse qui était là, qui était devenue ta mère. Je dirais qu'il y a papi. Merci. Il y a papi. J'accepte ton merci. Mais moi, je ne peux pas te remercier de ce que tu m'as fait. De mon côté, tu le sais. Ce que j'ai pu faire. Tu le sais, il y a papi. Je le sais. Je me suis battu. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Et le bon Dieu a décidé autrement. Je ne peux plus te reparler à papi. Nous n'oublierons jamais. Nous n'oublierons jamais à papa. Puis, où est-ce que tu as dit? Mais puis, quand tu as dit? C'est
Obsèques de notre cher ami. C'était notre immédiat past président. Il a beaucoup fait pour le Lions Club. Il a beaucoup fait des œuvres. Et donc, nous ne pouvons que lui rendre ce que nous venons de faire. N'est-ce pas? Par notre présence et notre participation auprès de la famille. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Les mots me manquent. Les mots me manquent. C'est mon compagnon de tous les jours. C'est une grande émotion pour un homme très bon. Il est très bon, humble, serviable, et prêt à toutes les actions, les bonnes actions.
français. N'importe quel en français. Oui, pour nous la supplique, nous avons perdu un frère. Un frère qui était très humble, qui était sans façon, vu son rang, vu ce qu'il était dans la société. Mais dans l'église, il a su montrer son humilité. Vraiment, c'est un exemple pour nous et nous gardons cet exemple fort. Merci. Ami Évariste Kodja, il fut un ami, un père pour nous, car vraiment il a servi d'exemple et nous sommes très fiers de lui, que son âme repose en paix. Adieu IPPA et que Dieu te protège là où tu es. Merci. Nous sommes ici en tant que mutuelle famille Mbama de Bakongo. Je suis le vice-président et lui, il était le président de la mutuelle. C'est dans ce cadre que nous nous sommes mobilisés tous ici pour venir assister aux obsèques de notre président, défunt président, Évariste Nkodia. Monsieur Évariste Nkodia était le président exemplaire. Il a fonctionné avec nous depuis 2017 que nous avons créé notre mutuelle jusqu'à aujourd'hui. Il est toujours resté président et dirigeait notre mutuelle sans problème, toujours disponible. Donc le doyen est parti, c'est un grand vide pour nous. Moi, je suis le vice-président, mais je vous dis que je peux vous rassurer que ce ne sera pas peut-être comme lui. Hein? C'est ça, au moins, je peux le reconnaître. Parce que lui, il était totalement disponible. Et il ne manquait pas de réunions. Hélas, Dieu a voulu que ça se passe comme ça. On gère ça comme ça. On gère ça comme ça. Mais c'est un grand regret pour nous. C'est un grand regret pour nous. Voilà. C'était un grand pour nous. C'était un papa pour nous. Donc, il était tout pour nous. Il est parti bien. Voilà, merci. Merci beaucoup pour le micro que vous me tendez. Effectivement, dans la vie, il y a naître et mourir. Comme on nous dit dans l'Ecclésiastique, il y a un temps pour tout. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Mais s'il faut témoigner, M. Évariste Nkodia, qui fut notre président de la mutuelle famille Mbama, M. Évariste Nkodia, c'était un grand homme. Un bon manager, un bon pilote, un bon capitaine de bateau parce qu'il a su conduire le bateau qui est la mutuelle famille Mbama. Dans sa gestion, il a su, par sa maturité, a su régler les différends que nous avons eus dans la mutuelle. L'historique de la mutuelle, c'est en janvier, 5 janvier 2014. Effectivement, parti de ce quartier Mbama, il le voilà revenir et entouré de ses frères et sœurs, animé des sentiments de partage. Il a créé ensemble avec ses frères et sœurs la mutuelle famille Mbama, qu'il a dirigée pendant 7 ans successifs. En tout cas, nous regrettons sa mort. Le grand souci que nous avons de la mutuelle, il a été hospitalisé sans qu'on nous le dise, sans qu'il ne nous dise. Et jusque-là, nous sommes préoccupés pour savoir pourquoi qu'il a empêché de ne pas pouvoir nous informer de son hospitalisation. Hélas, le temps, chaque chose a un temps. Hélas, Dieu a donné, le ténèbre a donné, le ténèbre a repris. Donc, nous pouvons dire que dans tout ce qu'il faut, en regardant ce que je viens de dire, je peux pour conclure dire qu'il a été un homme généreux, hospitalier, plein d'humilité, plein de sens de partage. Et il était pour le travail bien fait. Voilà les conditions qu'il animait quand il a dirigé la mutuelle famille Mbama. Nous qui nous l'avons vraiment côtoyé, collaboré, je crois qu'il n'a pas fait une discrimination. Tous étaient ses frères et sœurs. Voilà, et son départ, c'est un grand vide qu'il crée au sein de la mutuelle. Mais nous voudrons, par cette occasion, lui rassurer que nous avons continué l'œuvre qu'il a amorcée au sein de notre organisation, qui est la mutuelle famille Mbama. Qu'il rassure que nous allons continuer
pour que cette mutuelle qu'il a tant chérie puisse continuer à vivre. Merci beaucoup. Oui. Et qui, j'aurais pu dire, j'avais une relation spéciale. Parce que les quelques fois que j'organisais des petits trucs à la maison, il était l'un des grands animateurs et tout ça. Et parce que lui et moi, on avait quelques atomes crochus. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'est je crois 2 semaines avant son décès. J'étais en train de le chamailler, parce que je ne comprenais pas comment il avait laissé faire sur lui comme cette espèce de métamorphose. Lui, il voulait plutôt parler avec mon épouse, mais moi, je tenais à le taquiner. C'est la dernière fois, malheureusement, qu'on s'est vu. Et puis après, j'apprends qu'il est à l'hôpital, et puis le lendemain, qu'il est décédé. Voilà. Ça a été pour moi un grand choc. Je n'ai même pas été capable d'aller à la veillée parce que le choc était trop fort. Je ne réalisais pas, en fait, que papy était parti. Tu vois? Pour moi, bon, c'est quelque chose qu'on dit comme ça, mais je n'avais pas encore intégré l'idée que papy était effectivement parti. Et donc aujourd'hui, malgré les multiples occupations, nous avons tenu à honorer de notre présence sa mémoire en venant ici. La cérémonie s'est bien passée, nous en sommes contents, mais papy restera dans notre cœur, en tout cas dans le mien tout au moins. Voilà, merci. Bon, on va mettre le mot de passe.
Thank you.
Tu t'accompagnes. Avec la volta, tout s'est très bien passé. Merci. Faye l'image. Osa l'icolo. Osa la toujours l'icolo. Donc, ma soleil, Banda qui depuis Paris. Miami Bissot bien. Vraiment, la cérémonie s'est très bien passée. Et puis, vraiment, c'est tout ce que je peux dire. Je n'ai pas de mots. Merci beaucoup. Merci. J'ai l'image. Merci. Merci les services de Joël Photo la France qui ont couvert notre cérémonie du début jusqu'à la fin. C'est un grand merci parce que c'est des souvenirs qui restent indélébiles à vie. Et aussi à tout le monde, tous qui sont venus nous assister. Et voilà, la cérémonie s'est très bien passée, du début à la fin. Et je remercie, je conseille que nos compatriotes du Congo ou de partout au monde qui puissent se bénéficier de vos services. Là, je fais une partie de pub, mais je vous remercie. Antoroma bien wayo kele nuku kwa twena na mala na karo twena na luze na pami donc bien à bien donc ni mbote zenu tala kwa beto twe ku l'Afrique eh façon moi je crois la bien le kumputu kalutu nyonya ngali cho bele le ku gate façon moi je crois twe ba bisou. Lose, 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 Winian. Malmupalux, a lose. Malusakumpe, wish it one termo. Yamuatu, Yanguangasia, Yakefe. Good wish it, Kumuatu, Kumbono. C'est bon. Merci beaucoup.